اكسبير اون باليستيك كانوا بصراحه كانوا ناس محايدين مش منجحش بالضبط. انا هذا رايي باش كيتكلم ولا يعمل حاجه بالضبط تكون بالضبط وتكون حاجه فيها تكون حاجه ثم فيها كريديبيليتي كريديبل اللي صدقوها الناس كلها. معلومة غلط. في قرط بوزيسيال ما عندوش 45 تيرو هذا في الأصل متاع وصف أونفوي سبيسيال. واش هذا اللي في أونفوي سبيسيال الكبر متاع الكانون ماهوش موجود عند الحرس الوطني. أنا نتصوره مش موجود الكبر هذا نتصوره مش موجود. شفت هنا تاع تيرو ديليت البندقية تاع تيرو ديليت صورها مليح. ثم مجموعة متاع نقاط غامضة أنا أثرتها لهنا تستحق أجوبة وعلى السلطة الحالية أنها تعمل على توضيح النقاط هذه اللي باش نقراها تو. Il est signalé que malgré les témoignages des citoyens, des cadres militaires, des journalistes tunisiens et étrangers et les séquences vidéo diffusées par les sites internet, plusieurs questions restent encore sans réponse, telles que où sont les snipers arrêtés par les citoyens et livrés par la suite aux unités de l'armée nationale? On a vu clairement des séquences vidéo là-dessus à Tunis et à Mourouge, à Bizerte, dans d'autres régions du pays. Deuxièmement, où sont passées les personnes arrêtées le 12 janvier 2011 par une unité des BOP à Sidi Bouzid, alors qu'elles étaient dans des voitures de location en train de distribuer de l'argent pour la population locale. Quel sort a connu la jeune femme sniper qui a été poussée d'un toit à Kasserine, puis transportée à Sfax pour être soignée? Pour quelle raison il n'y avait pas eu des commentaires officiels sur les balles dans leur inscription et en hébreu trouvé par quelques personnes? Pourquoi les autorités compétentes, soit le Premier ministre ou soit le Premier ministère ou les ministères de la Défense nationale et de l'Intérieur, n'ont pas fourni les éclaircissements nécessaires à temps concernant ces événements, d'une part pour démontrer les bonnes intentions, et d'autre part pour éviter les mauvaises interprétations. Malheureusement, avec le gouvernement provisoire de M. Bejraïd Sebsi, ainsi qu'avec celui de son prédécesseur Mohamed Ghannouchi, la communication avec les citoyens a été presque absente, ce qui a laissé le champ libre aux interprétations qui, dans la plupart du temps, étaient négatives et avaient créé une certaine coagulation, surtout dans le domaine politique.